c'est les Sœurs Alice. Aujourd'hui, voici le vlog de voyage à Berlin, jour 2. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui? Au début, on devait aller à Berliner Dom, c'est-à-dire la grande cathédrale de Berlin, mais en fait, on l'a déjà fait hier. Pareil pour la nouvelle synagogue. Donc, on va passer à la suite du programme, c'est-à-dire faire une croisière sur la rivière Spree. Tiergarten, c'est un énorme parc, ça a l'air super beau. Potsdamer Platz, la place du centre, puisqu'on est dans le quartier central, et bien autant profiter de tout ce qui est central. Aussi découvrir le palais du Reichstag et la porte de Brandebourg. Voilà, mais avant ça, direction petit déjeuner au bord de l'eau. Allons-y! Et encore une fois, il fait un temps magnifique, c'est sublime! Ah Morgane, on a trop de la chance! C'est incroyable! On doit mettre ton chapeau. Et du coup, je vous montre d'où est-ce que je vloguais tout à l'heure. Alors, c'est là. Par là. Au troisième étage, là où les volets sont complètement tirés. J'ai tout ouvert pour faire le vlog tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait cette vue vers les rues centrales. Oh, on voit le tramway partir. Tramway jaune. Et bien justement, on va partir dans la même direction, direction Spree. Et voilà, là on a décidé de petit déjeuner. Friedrich 106. En fait, c'est là où il y a l'ours qui porte le bâtiment. Et c'est au bord de l'eau. On va essayer de prendre une belle table par là-bas. J'aimerais bien le plus au bord de l'eau possible. Oh ouais, super. Oh, c'est des chaises géantes. Oh, on est bien. Alors là, il n'y a pas plus près de l'eau. Berlin de bon matin. Et une poule d'eau qui chante quelque part sur l'eau. Ça, t'adore. C'est bien. Ah. Alors Morgane, j'ai une question. Ce sera le vocabulaire du jour. Comment dit-on petit déjeuner en allemand? Frühstück. 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 C'est très utile parce que quand on veut prendre le petit déjeuner, il faut voir écrit Frühstück. Voici comment s'écrit Frühstück. Oh là là, Morgane, à chaque fois ça m'impressionne quand je t'entends passer commande. Je ne comprends rien. À part Danke. La prochaine fois, c'est toi qui passes la commande. Et voilà mon Obstsalat. Ma salade de fruits. Moineau. Salut. Oh. Tu es l'ami des oiseaux. Ouais. Depuis qu'un aigle de Kamakula m'est tombé dessus. Le souvenir impérissable. Alors l'achat de tickets, c'était dans ce petit camion et et du coup il faut traverser le pont pour rejoindre le bateau. Voilà, on va prendre le premier bateau de 10h30. Yeah, ça y est, on est sur le bateau, on a un peu couru et on attend. Du coup, hein, ça va bientôt démarrer. T'es minuscule, Morgane. C'est que moi, ça je m'assois branche. Bien droit non, et Morgane, il s'assoit tout petit. Non, tu peux pas dire ça. Bah si, regarde. Tu t'assois tout petit. Non, quand c'est comme ça, hein. Attends, on change de place. Rendez-vous dans la place. Bah Morgane, c'est toi qui étais tout petit. Tu t'assois minuscule. C'est quoi ça, s'assoit minuscule? Tu fais comment pour t'asseoir minuscule? Bah, tu te comme ça. Mais j'étais pas raté. Tu t'assois comme ça. Voilà notre bateau. Et là, on a pris notre petit déjeuner. C'est juste ici. Là. C'est parti. Oh, on va passer notre premier pont. Ouh. Eh, mais on va raser. Oh là là, mais je me suis penchée là. Impressionnant. On va super vite en plus. Ce serait sympa qu'on vienne manger ici un moment. Les drôles de tuyaux bleus continuent jusqu'à perte de vue. Jusqu'à
l'intérieur des bâtiments en fait, c'est trop bizarre. On approche du dôme du Reichstag. Il y a plein de gens qui font coucou, yo, coucou, coucou. Trop marrant. Ah, un autre bateau, un autre bâtiment qui est quasiment sur l'eau. C'est beau, plein de baies vitrées. Ah, et là on va passer par-dessous un pont qui fait plus moderne. Atom, Marianne, c'était l'ancien parlement par là-bas. Wow, on continue la balade, c'est trop magnifique. On va vite. Ouais, on va très vite. C'est une super balade. Wow. C'est trop agréable en fait. En bateau comme à pied, on peut faire plein de balades au bord de l'eau. Et Hogan Park. Hogan Park. Sous les gens. Ah, ça aurait pu être un pont transsuicide, ça aurait été rigolo. Quelle ambiance peaceful. Oh, là, c'est un pont qui fait plus traditionnel, ancestral. Il est effrayant, c'était quoi? C'était César? On aurait dit la tête de César. Oh, c'est marrant, c'est pavé comme pont. Ça fait vraiment futuriste, ça fait ville sur l'eau presque. Avec beaucoup de baies vitrées, des formes un peu en cercle. C'est là où est la chancelière? En plus, il y a plein de passerelles du coup. Double passerelle piétonne. Tiergarten, c'est là qu'on va se promener juste après. Wow, il y a des runners. Ici aussi, il y a des cerises. C'est trop marrant, en fait, on est les premiers. Ah non, on se fait doubler.
Jusque là on était le premier bateau. Enfin on était le premier bateau suivi de plein de bateaux. Ah mais ça compte pas, l'autre c'est pas un bateau. Non, c'est pas un vrai bateau, c'est un grand bateau. Ouais. Toi tu disais ça donne l'impression qu'on est poursuivi. Ouais, c'est ça, c'est une flotte. Une flotte. Bateau, après, je pense. Une flotte. On est suivi. Plein de bateaux. Ah ça y est, on amorce le demi-tour. Là on aperçoit encore plus de cerisiers. T'es bien là? Ça va. Voilà, les backstage de Morgan en train de faire une vidéo 360. Ce pont quand même. Genre, il n'y a rien de plus effrayant qu'une tête humaine. C'est une gare ? Ah ! C'est la plus belle gare que j'ai jamais vue. Enfin, disons, ça rivalise avec celle de Kyoto. Tout en vert. Ça a vraiment un effet blanc, blanc, blanc. Oh, mais en fait, la rivière se divise. Ça peut continuer par là aussi. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour la reconstruction. Ouais. Tout est beau, propre. Je sais ce que ça me rappelle, tout ça, ce quartier un peu d'affaires ou ministériel comme tu dis, ça me rappelle Shiodome à Tokyo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que ça fait quartier futuriste. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. On passe sous un pont. Voilà. Ah mais en fait, c'était bien quoi, c'était je trouve pour le bâtiment qu'on vient de voir, c'était le ministère de l'enseignement et de la recherche. Oh, bah, c'est un tout à fait ministère. Toi. Ouais. Ouais, super. Et en fait, je crois que ça continue de construire parce que par là-bas, on aperçoit qu'il y a un cercle qui est en train d'être construit. Là, en fait, ils sont en train de faire la suite. Voici là où on a pris notre petit déjeuner. C'est là où c'est impressionnant parce qu'on dirait que tu vas te taper le bateau.
vu, il y a des gens qui font exprès de toucher le pont en fait. Voilà l'ours. L'ours doré qui porte le bâtiment. Et maintenant, revoici la promenade qu'on a fait hier. La promenade qu'on avait fait à pied. Très très belle promenade. Ça fait drôle de le faire en vitesse rapide, en bateau comme ça. On arrive à l'île au musée. Vision réalisée, j'avais même pas réalisé, j'ai un peu honte. Tu sais, au festival de Berlin, ils distribuent des ours d'or. Les ours, c'est le symbole de la ville. Ah, c'est pour ça que c'est l'emblème. Oui. C'est comme si moi j'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose avec les ours. Ouais, peut-être tout de suite fait une photo avec un ours. Ouais. Là, on arrive à l'île au musée. C'est trop beau. Avec la lumière du jour, c'est-à-dire la lumière du matin, c'est magnifique. Voilà, tout le monde se lève pour Dan et tout. Ah mais c'est marrant, mais après quoi les gargouilles, ce sont des têtes humaines. Et là c'est le parc qu'on avait fait aussi tout à pied. En fait, hier, on a fait 12 km à pied. Suite de la promenade. Ça change complètement de point de vue. Même si c'est ce qu'on a fait en promenade à pied hier, le fait d'être vraiment au-dessus de tout, c'est sublime. La grande tour. Oh, et là, c'est magnifique. C'est la cathédrale, ouais. Berliner Dom. Waouh! Oh là là, tu peux monter en fait en haut, Morgane. Ah ouais! Et donc, Morgane m'a appris que cette cathédrale est si particulière parce que c'est une église de style orthodoxe. On entend plein d'oiseaux. Erratum, tu trouvais que ça avait un style, mais en fait c'est l'orthodoxe. Non. D'accord. En fait c'est un style russe. Oh, il fait tout noir. On est sous un plan sombre. Non, ça y est, regarde. Et la lumière fuit. Yeah. Donc tu disais que c'était des orthodoxes plutôt. Pas forcément orthodoxe. Waouh. Tout est beau, dis donc.
aperçoit de mieux en mieux la tour. Et ici, on dirait que un peu tout est en travaux, tout est en construction. Ça construit énormément en fait. Il y a à la fois un patrimoine qui a l'air d'être là depuis un moment, et puis ça rénove, ça construit, c'est incroyable. Ça fait ville à la fois, on va dire, tradition et moderne, le grand classique. Un dessous de pont encore original. Waouh, mais qu'est-ce donc, c'est magnifique. D'un côté comme de l'autre. En fait, c'est marrant parce que tout est mitoyen. Il y a genre un hôtel ou quelque chose, des habitations. Et là, il y a une façade complètement hallucinante. Oh, c'est beau! Colorful. Et là, si on est bien aligné, ah ouais, on voit à travers. Waouh! Il y a un ballon qui a été perdu sur l'eau. Ballon bleu. Dans les animés, ce serait plutôt ballon rouge, mais là, c'est ballon bleu. À tout ce quartier-là, c'est Nikolai Viertel, c'est le quartier Saint-Nicolas, et c'est un des plus vieux quartiers de Berlin. Un des plus vieux quartiers. Ouais, c'est un peu la vieille ville. D'accord. Ça va, pour une vieille ville, ça fait pas très vieux. Mais il y a un charme très certain. Ça y est, on fait demi-tour. Par là, ça fait plus building, bâtiment d'habitation classique. Et par là, c'est drôle, il y a une écluse. Le ballon bleu a fait du chemin. C'est reparti. Morgane, c'est notre audio guide. La bibliothèque, c'est marqué juste. C'est marqué? Ça prend le nom de bibliothèque. Ah, effectivement. On sait que c'est la bibliothèque. Attention à rénover des quais. Ouais. Donc c'est vraiment un gros gros effort pour rendre les quais très agréables. C'est chouette. C'est vraiment beau, tous ces ponts. Vraiment, vraiment. Moi j'aime bien cette quartier-là parce que là en fait c'est la partie qui devient un petit peu avec des colonnes. Et c'est un peu Grèce, comme tu disais. Ouais, la Grèce. Toi tu penches beaucoup vers le bas, moi je penche vers le haut. Ah ouais, c'est le palais d'Athéna. Bon, je reprends la caméra.
suite de la vidéo de voyage à Berlin, jour 2. Allons-y!